Avez-vous l'impression d'être stressé et de respirer toujours de façon essoufflée, d'avoir du mal à prendre votre respiration, d'avoir du mal à vous calmer et d'avoir une sensation d'essoufflement permanente? Si c'est le cas, je vais vous inviter à regarder la suite de la vidéo pour découvrir une technique de respiration qui va permettre de vous calmer. Cette technique est très simple. Elle peut s'appliquer à tous les moments de la journée, que ce soit le matin au réveil pour oxygéner au maximum son organisme, que ce soit dans la journée pour faire une petite pause, ou encore un très grand bienfait le soir avant de s'endormir. Cette respiration se déroule sur quatre temps. Donc un premier temps où on inspire. Un deuxième temps où on bloque la respiration, les poumons pleins. Un troisième temps où on expire. Et un quatrième temps où on reste les poumons vides. Je vais maintenant vous expliquer un petit peu plus précisément la façon de respirer. Donc nous allons respirer en quatre temps. Donc une première inspiration, on bloque ensuite la respiration, les poumons pleins, on expire et on bloque les poumons vides. À vous de choisir le rythme qui vous convient. Chaque temps de respiration doit être équivalent, c'est-à-dire par exemple trois temps sur l'inspiration, trois temps de pause, trois temps sur l'expiration et trois temps sur le blocage des poumons vides. Si vous arrivez, vous pouvez faire quatre temps, voire cinq temps. À vous de voir en fonction de vos capacités et puis éventuellement de progresser au fur et à mesure que vous aurez fait l'exercice de développer votre capacité respiratoire. Donc on y va? On inspire. On bloque. On souffle. On bloque. Voilà le principe. Et donc cette technique-là, vous allez pouvoir faire 4 à 5 cycles de respiration à suivre pour déstresser votre organisme. Quand on respire calmement comme ça, le corps, il se calme. Il sent OK, c'est bon, tout va bien. Quand on respire de façon très très rapide, c'est que le corps est stressé, on a besoin de ventiler, on a besoin d'énormément d'oxygène, et le corps il se dit, il y a un danger, il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce qui va arriver? Et donc là, ça entraîne du stress au niveau des organes, le stress abîme les organes, vous fatigue et peut entraîner des maladies. D'où l'importance de prendre le temps de respirer plusieurs fois dans la journée, le matin au réveil, dans la journée de travail, le midi pour votre pause. Et idéalement, le soir pour vous endormir, c'est une excellente technique. Donc on le refait une fois. On inspire, on bloque. On souffle. Et on bloque. Vous voyez, ça prend très peu de temps. 4 fois 3 secondes environ, soit 12 secondes. En général, dans la journée, on a le temps de faire ça plusieurs fois et ça fait du bien à la santé. Je vous souhaite de très bonnes respirations. À bientôt.